Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2, évidemment. Et on a un petit crime qui a été signalé, j'ai envie de vous dire, non loin de là. Donc vous savez quoi? On y va, vous savez qu'on commence chaque vidéo par résoudre justement ce type de crime. Oh, je bombarde, je vais si vite, c'est incroyable. Bref, installez-vous confortablement, 4K, 60 FPS. Et bien sûr, des fanatiques. Ok. Hop, toi tu es mort. On est parti pour la suite, tous ensemble, de notre incroyable, évidemment, aventure. Je suis si heureux de vous retrouver. J'aime tellement ce Spider-Man 2, il est juste. Wouh! Ok. C'est toi qui prends. Écoute. Oh, waouh, il y a deux balaises. Hop, montage en l'air, dans les rails. Ok. Tiens, mais c'est la brigade. Aïe! 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 Oh, c'est pas vrai. Ok. Ok, on va s'en occuper. Ils ont plus chaud cette tonne. Aïe! Ok, c'est bon. Toi, tu prends. Oh, waouh, c'est pas un petit Creams. Y en a pas d'autres. C'était un gigantesque Creams. C'est quoi cette connerie? On a eu chaud. Donc, 4K 60 FPS, la base, évidemment. Installez-vous confortablement. Et un petit j'aime, un petit commentaire. Vous savez que c'est le minimum. Et ça fait extrêmement plaisir, évidemment. Merci à tous ceux qui y pensent, même au bout de 13 épisodes. C'est incroyable à quel point vous me régalez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a quelque chose à gauche, on a un trou d'air à droite, ok, rien de folichon. Oh là 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 là, c'est tellement bien fait, mais vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on va vivre ou pas avec Wolverine? Je sais pas si vous êtes au courant de la dingue qu'on va vivre. Tiens, allez, on a un petit truc ici, on va se le faire. On va se le faire. J'espère que ça gêne pas le docteur Foster. Ok, allez, on peut le faire vite fait. Ok. Peter, ravi de vous accueillir. On collabore avec vos amis du Fist pour nourrir la communauté, en commençant par des jardins mieux pensés. Vous pourriez récupérer des échantillons de plantes aux alentours et vous servir de notre éditeur génomique. Ok. Rien de compliqué. Prélever des échantillons, assembler des gènes, nourrir les gens. Ça c'est vrai, je peux faire mieux que ça. Cherchons les meilleurs échantillons. Je le fais assez rapidement. Chercher les meilleurs échantillons. Ouais, ouais. Oh, waouh! Ah, oui, carrément. C'est un truc de cinglé. Il doit y avoir quelque chose ici. Ok. Là, on a quelque chose. Celle-ci est techniquement une herbe. Herbe. Sa résistance peut être utile. Là, on a quelque chose au lampadaire. Qu'est-ce que c'est? Ok. Celles-ci ont beaucoup moins besoin d'eau. C'est une bonne chose. Ok. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mon costume, il est dans un sale état, mais wesh! C'est à cause du combat là, c'est à cause du Creams? Beaucoup de fruits, c'est parfait. C'est okay. À cause du Creams qu'on a vécu? Il est temps de les mélanger. Waouh! J'ai pris ma part. Génial que ok. F ait mis ses OGM en open source. Ouais. On devrait pas chercher à gagner de l'argent sur les produits de première nécessité. Ouais, ouais, ouais. Bon bah écoutez, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est ça. Ok. Ensuite, somme toute logique, on va faire ça. Non, non. Ça ne coulerait pas de sens. Ah, me v'là bien embêté. Me v'là bien embêté. Voyons voir. Je vois que ça en solus. Ok. J'ai hâte de l'avoir poussé. C'est pas vrai. C'est un trip.
C'est bon. Ça fonctionne. Ok, ça c'est fait. Il y en a encore deux autres, je suppose. Ils donneront plus de fruits. Non ? J'imagine ce que le fils pourra faire avec ça. Très bien. Très bien. Ah non. Je leur ai bricolé de nouveaux plans hybrides. Ok, ils ont pas été relous. Il n'y a plus qu'à préparer cet endroit pour planter les graines. On va optimiser le circuit d'eau. Ils ont été relous. Ok. Oups, il faut que je répare ça. Quelques toiles devraient faire l'affaire. Waouh. D'accord. On dirait que plusieurs fuites réduisent la pression de l'eau. Si je les bouge pas toutes, le système fonctionnera pas. Ouais, j'ai compris mon frère. Très bien. Plus que quelques fuites à boucher. Très bien. La vache. Ce serait contre-productif si je noyais toutes les plantes, non ? Waouh ! Ok. Mais bon, la main verte avec ses plantes tomates. Et moi, j'ai peut-être la toile verte. Ok. I don't understand. Il doit rester une fuite. Doit rester une fuite, mais je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est ? Oh wow ! Ok. Normalement, ça devrait le faire. Le docteur Foster sera content. Allez ! Oh wow ! Spider-Man m'a aidé. C'était Je me demande sur quels autres projets travaillent-ils. C'était un peu infernal. Ok. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Une Oh. Ok. Oh non, c'est les trucs de la secte. Entrez. On est parti en enfer pendant une demi-heure. Genre, on fait juste équipe ou Vous les surveillez depuis longtemps? Quelques semaines. Il y a des rumeurs qui circulent. On a retrouvé des cadavres. Et ils sont obsédés par l'heure écarlate. J'ignore ce que c'est. Oh bah, ça doit être une nouvelle marque de montre. Oui, c'est c'est sorti tout seul. Qui fait ce genre de vanne? Pas moi. Spider-Man et Spectre peuvent s'associer pour réaliser une double élimination. Lorsque les adeptes sont marqués en vert, vous pouvez les éliminer sans danger. Côté gauche. Ok. Ça fera l'affaire. Quand on trouvera leur chef, comment on saura que c'est leur chef? Quelque chose me dit qu'ils ne font pas dans la délicatesse. Je tends un coup d'œil. Éliminer les fanatiques et continuer. Ça me va. D'accord, on va jouer en duo. Très bien. Ça fait quoi ? Un an et demi depuis que... Est-ce que... Vous allez bien ? On n'est pas obligé de discuter. On est là pour travailler. Bien. Idole des fous. Comment on sait que c'est Spider-Man ? Parce que la flamme, c'est toujours tout. Il s'est jamais trompé ? Si tu as des incertitudes, je te conseille de les... C'est pas une simple discussion. Je me faisais du souci pour vous. Je vais bien. J'étais en colère et distraite. Mais ça va mieux. Je suis prête. Ok. On est monstrueux ou pas? Je vais vous entendre. Tout va bien? Okay. Doucement. Allez. Il ne pourra pas toujours se cacher. Hey, est-ce que tout va bien là-bas? Allez, ferme-la. Toi, tu parles beaucoup. Toujours aucun signe. Mais tu ne vois rien. Continuons.
Ok, on va passer par la porte principale, j'ai envie de vous dire. Verrouillé. Eh ben non. Et si je la force, je parie qu'il y aura une alarme. Je vois pas de serrure pour les clés. Il doit bien y avoir un moyen de la débloquer quelque part. Il semblerait que les recrues aillent toujours par deux au début. Ça permet de surveiller tout le monde. Ça, c'est leur signe. Et ça, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Vous voyez quelque chose de bon là-dedans? Apparemment, la Prometheus, Estia, Hephaestus. Ils vont toujours par deux quand ils arrivent. Dites, ça me donne une idée. Vous en faites profiter la classe? Observez bien. Mais oui! La porte ne s'ouvre que si elle voit la bonne paire de tatouages! J'ai le mien. Vous voyez quelqu'un avec un tatouage d'Héphaïstos? Oh, waouh! Va falloir vivre. Ok. S'il te plaît, te réveille pas. Et c'est pas du tout le bon tatouage, super. Ok, ok, ok. Et voilà! Et ben voilà. Cette fois, c'est la bonne. Pourquoi toutes les sectes ils se rasent le crâne? Je comprends pas, putain. D'où vient ce mécanisme, les gars? Non, mais qu'on m'explique. Et donc, vous avez des tatouages? Oui, la tombe de l'inspecteur Speeder. T'es sérieuse? Ok. Si tu t'enfuis encore, il sera beaucoup moins conciliant. Crois en la flamme, car tout brûle ici-bas. Car tout brûle ici-bas. Oh, je sens qu'on va se... Vous avez déjà entendu ça? Belle technique. Faut qu'on aille voir les prisonniers. Ok. On va vous tirer de là. Les commandes de la porte sont dans la salle à côté. Ah, toi, t'es bien renseigné, toi. Dans le bâtiment. J'en sais rien. Beaucoup. On va vous sortir de là dès que possible. Pitié. Oh, ils ont des écrans. Ils sont pas censés être ici. On va vous sortir de là. Si la flamme vous laisse faire. Ouais, on prévient tout le monde. Eh, hey, je suis Spider-Man, les gars. Oh. Eh oh. On vient vous aider. Parlez pas si fort. Ils ont trop cru que j'étais une salope. Les commandes sont dans la salle d'à côté. Très bien. Si eux, c'est des adeptes de la flamme, c'est la flamme qui fait une sauterie, là? Je ne crois pas. Il est encore digne. Et pour que les derniers puissent se disent, célébrons ensemble le passage de cette petite ère de Typhon à Héphaïstos. Tout va bien? Vous avez l'air... J'ai une flèche. Tu n'auras plus besoin de clasher ton visage devant le reste du monde. Car désormais, le monde ne pourra plus te faire aucun mal. Je ne vois pas d'autre sortie dans cette pièce. J'espère trouver autre chose que leur écran de veille. En danger, pourquoi? Cette marque est l'épée et le bouclier. Elle sera ta plus grande source c'est de dur. Et ta plus grande source de force. Car elle montre que... C'était quoi ce bruit? Cette confiance ne s'éteindra jamais. Croyez en la flamme, car tout brûle ici-bas. Depuis la nuit des temps, nulle vérité n'a brillé aussi fort. Alors gardons-la en mémoire, car l'heure est carlate. C'est impossible de le faire en discret. C'est quoi ce bruit, bordel? Viendra-t-il à une autre de nos cérémonies? L'heure écarlate approche à grands pas. Tu es au courant qu'il a chaque jour plus de responsabilités. Alors, ça me met au challenge de ouf, j'ai trop hâte. Et quand il aura terminé, j'ai envie d'essayer le choix de parfait. Pour toujours. Un instant, j'ai pu. Encore ? Il se passe quelque chose. Allez, allez, allez. Bon, ça fait des yeux en moins. Tu peux prendre ta pause. Ça fait des putains de yeux en moins.
Alors attendez, oh je suis tellement concentré. Allez, 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 deviens sûr. J'essaye de le faire à la perfection parce que ça m'excite. J'adore les phases d'infiltration de Spider-Man, je les avais oubliées. Elles sont trop trop cool. C'est encore le bruit de tout à l'heure. Spider-Man est dans le coin. Ça recommence. Il pourra pas vous cacher. À plus tard. La flamme veut que nous le trouvions. Les Brest te trouveront, Lydon est fou. Il y a un monde où... Il y a un monde où ça passe, un peu. Tu sais, c'est qu'une question de temps, Spider-Man. Ça ira. Il va le piller. Hé ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, dommage. Les deux derniers. Même pas le temps de s'échauffer. C'est vraiment les deux derniers. Un peu déçu de pas pouvoir vous avoir proposé la perf. Je sais pas. Ok. Ah, je suis déçu. Les cellules conduisent jusqu'ici. Le livre de la flamme. Ça a l'air tout à fait passionnant. Tout commence par l'arrivée de l'idole des fous, qui tente d'empêcher les dignes de mener à bien leur mission. La présence de l'idole attire les fléaux qui ravagent le territoire. Un classique pour une secte. Tenez ! On ne peut plus continuer à se croiser comme ça, Yuri. Les gens vont croire que tu cherches à me descendre. Je pensais vraiment que c'était fini. Tes mensonges ne séduiraient plus personne. L'amour n'est pas un mensonge. Il n'y a aucun amour là-dedans. J'ai aidé ces pauvres gens alors que tout le monde leur tournait le dos. Je doute fort que toi, ou l'idole des fous juste là, en auriez fait autant. Mais comment devrais-je m'y prendre pour que toi aussi tu m'aimes ? Dis-moi où tu te caches et je te montrerai. Le vieil hôpital au nord d'Astoria. Passez quand vous voulez. Si vous en êtes suffisamment digne. Oh, waouh! Vous saviez qui était la flamme depuis le début? Non, j'avais des soupçons, mais je me souviens bien avant de le voir. Prêt à tirer. Comment vous vous êtes rencontrés? Il dirigeait une autre secte quand j'étais dans la police. Je l'ai démantelé, mais il a réussi à s'enfuir. Voilà. Hop, toi. Hop, c'est beau. Et toi? Ok. Très bien. Il va prendre la totale, le clébard. J'ai pu le mettre contre le mur. Dommage. La flamme n'est pas ici. Il faut qu'on parte à sa poursuite. Quand on aura aidé les prisonniers à s'enfuir. Oh, waouh. Salut. Je m'attendais pas à ça. Okay.
beau, c'est beau. Allez, les clébards, ça dégage. Allons à l'étage. Bon, ça va, les gars? Il y a d'autres adeptes derrière la porte. Là-haut, c'est la seule issue. Attendez ici. On va ouvrir la voie. Ouais. Ouais. Non, non, c'est pas là, c'est pas là. Moi, je connais, les gars. Je connais, s'ils attendent là... C'est totalement ici. Putain de merde. Je connais, mais pas assez. Vous vous occupez de la porte? Pourquoi pas? Je dois croire en la... Ok, avant toute chose, comment il sait qui vous êtes? Grâce à ma voix. Quand je craquais, c'était son fils. Oh, wow. Pourquoi tu viens de loin? Il a toujours pu garder une longueur d'avance sur moi. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur lui? L'ancienne secte dont je parlais. On était sur le point de le capturer. Il leur a dit que l'heure était enfin venue. Ils les ont tous tués pour qu'ils ne parlent pas. Et ils se sont laissés faire. C'est un monstre. Alors c'est la première fois que vous le revoyez depuis qu'il s'est échappé? Je l'ai traqué pendant des mois. Mais je travaillais aussi sur toute cette affaire. Okay. Je savais qu'il n'était pas loin. Et les adeptes okay, de la femme oui. C'est oh, wow. Un seul groupe, en fait. Ils n'étaient pas aussi nombreux. Ils étaient plus prudents. Ces gens-là, je ne sais pas ce qui est pire. Leur nombre ou leur confiance. Il est temps qu'on les fasse sortir de là. Allez, c'est pas fini. C'est totalement fini. Ça devrait pas être long d'aller à l'hôpital. Mais... Yuri! C'est le piège le plus grossier que j'ai vu de ma vie! Et pourtant, j'ai combattu le piégeur! On ne peut pas se permettre d'attendre. Vous le connaissez pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aidera personne si on se fait tuer en se précipitant. Il nous faut un plan. Je vais aller à l'hôpital qui lui sert de base et m'assurer que tout le monde va bien. Ça vous va? On peut dire ça comme ça, ouais. Ça me stresse okay. Un petit peu moins, en tout cas. Allez, on est parti. On va essayer de suivre le courant. Et let's go. Bon, niveau 21, ça nous fait pas mal de petits points de compétence, ça, je reconnais. Je reconnais même très très bien. Ça nous fait un total, je dirais, allez, à vue d'œil et de mémoire, 4. C'était écrit en plein milieu de l'écran. On est parti, les amis, avant de reprendre la quête principale. Waouh! J'ai tout gâché, oh! J'ai tout gâché, oh! Ok. Allez! Avant de reprendre la quête principale, trop tard, on la reprend. C'est parti. Il y a beaucoup d'animation. Ça met du temps, non? Mesure de précaution, Tombstone est du genre récalcitrant. Ouais, on se tient prêt. Chasser pour vivre. Vivre pour chasser. Ok, bon. Je dois dégager les toits et trouver un moyen d'entrer. Alors, on va le faire. Avant cela, nouvelle tenue. J'ai envie de me faire... Waouh, waouh. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Et Miles Doudoune, on l'a fait ou pas? Je crois qu'on l'a pas fait encore. Waouh! Je le veux. Je le veux. On est trop stylé. Composant. En vrai, en termes de dégâts, il va falloir que je... voilà, il va falloir que j'achète, les gars. Là, on arrête les conneries déjà infligées. Accru en l'air. Et en termes de concentration aussi, je crois. Augmente de 10% la concentration générée. Ça, c'est vraiment pas mal. En termes de gadgets, j'ai jamais rien acheté, vraiment. Ça, c'était Rebels. Il me manque des jetons de Hero. Allez, ça, on peut se le fabriquer quand même. Hein. C'est un petit plaisir, les gars. C'est un petit plaisir et ça serait dommage qu'on l'utilise pas. Le lance-toile, il donne quoi? Allez, le lance-toile, on peut améliorer au moins ça. Allez, on peut améliorer peut-être un peu ça. Le dégommeur, il donne quoi? Allez, on peut améliorer. On peut améliorer les premiers de chaque. Hein. On va pas faire les pinces. Ça prouve qu'on avance plutôt bien pour le coup. Ah, pas ça.
Et en compétence, alors en compétence les amis, bon là on se régale. Hein. Là on se régale, c'est un plaisir sans fin. Frapper des ennemis paralysés avec la bioélectricité recharge, c'est pas mal. Vous confère une deuxième charge de frappe éclair, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très bien. Pour les deux Spider-Man, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenez croix près d'un ennemi dans les airs pour lui infliger une attaque bondissante. Qu'est-ce qu'on a là? Tout en vous balançant, maintenez rond dans la direction d'un bâtiment. Oh waouh, ça va falloir que j'apprenne. Chance d'obtenir un tir gadget gratuit au quatrième coup d'un combo. Et réussir une parade contre un ennemi le repoussera. Allez, on va prendre ça. Et vous savez quoi? On va prendre ça. On va avancer progressivement pour tout le monde. Et du côté de Spider-Man, écoutez, on va prendre ça. Voilà, on fait pas les crevards. Ici, on partage. C'est le plaisir, j'ai envie de vous dire, c'est le plaisir. Et là, toujours rien. Et là, attendez, bon, on va se faire plaisir. Oh, les gars, j'ai payé, moi, pour ça. Et là, eh ouais, j'ai payé, moi, pour ça. Ok, composant de la tenue aussi. On a beaucoup de trucs à déverrouiller, en vrai. Hein. On a beaucoup de trucs à déverrouiller. Et ça, c'est les meilleures améliorations. Hein. Ça, faut qu'on y pense, c'est vraiment les meilleures améliorations. Ok, on est parti. Allez. Parfait, c'était le chasseur. Ils sont là pour moi, je suis flatté. C'est bon, j'ai fini avec mon père. Par contre, on sait toujours pas où est le docteur Connors. Ça faisait longtemps que mon père avait pas autant stressé. On va trouver Connors. Ok. Et si t'appelais MJ pour lui demander de passer chez lui? Ouais, non. Bonne idée. Je suis Keblo. Tu fais quoi, là? Tu veux un coup de main? Je suis à l'ancienne fonderie Steel, à Williamsburg. C'est là qu'ils retiennent Tombstone, apparemment. Ça ressemble à une mission pour les Speederbots. Il est pas question qu'on se fasse appeler comme ça. Ok, et alors, tu proposes quoi? Je sais pas, les Spider-Man, Spider-Man? C'est... pas très clair. Je dois te laisser. C'est bon, ça grouille bon, de chasseurs dans les parages. Donc tu as besoin d'aide? Non, tu ne viens pas ici. C'est des vrais tueurs. Je veux pas qu'ils fassent de mal. A plus. Ça me gonfle. Décidément, mais Jean-Michel, pas de bol, bon frère. Jean-Michel, pas de bol. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est incroyable. Le mec, il était sur la grue. Mais genre parfaitement sur la grue. Comment c'est possible? Allez, toi, viens par ici. C'est terrible. Terrible, encore les amis. Moi. Ok. Très bien. Tu fermes ta gueule. Relax. On peut d'ici? Oh, c'est exceptionnel. 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 Oh, oh, oh. Allez, la triplette. Cette cheminée est ma porte d'entrée. La triplette. C'est bon? Tranquille. Et ben voilà. Les amis, on rentre là-dedans. Et on va pouvoir mettre fin à cet épisode. Allez, prochain épisode. C'est
c'est que la suite de notre histoire principale. Elle a dit qu'elle serait bientôt chez Connors. Super nouvelle. Ouais, je voulais vérifier. T'as bien dit la fonderie Steel? Ouais. Tu fais quoi, là? Mon cardio. Ok, je te laisse faire ta gym. Je dois vite trouver Tombstone avant qu'il finisse comme Scorpion. Le contact avec l'extérieur. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Fort. À très vite pour la suite de notre aventure. Bye bye.